Alors bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est en compagnie de Johnny, salut à toi. Bonjour, bonjour à tous. Alors tu es là pour nous présenter ta voiture qui est ton petit bébé, on peut dire ça. C'est même mon gros bébé, un gros bébé de 340 chevaux. Voilà. Et ben voilà, c'est une M3 E46 cabriolet, donc c'est un modèle qui est relativement rare et encore plus de nos jours. Voilà, je suis allé la chercher en Suisse et puis voilà, je l'ai agrémenté un peu... Comme je le souhaitais, et j'ai fait les modifications mécaniques, carrosserie, pour que ça soit un réel plaisir. Voilà. Alors cette voiture, c'était la voiture de tes rêves quand tu étais plus jeune? C'est ça, à 14 ans. 14 ans, j'ai vu la M3, bon c'était pas le cabriolet, mais j'ai vu la première M3 qui était en E36. Parce que bon, j'ai 47 ans, donc ça décale un peu derrière. Et voilà, j'ai attendu 42 ans pour pouvoir me payer ma M3 E46. Voilà. Parce qu'on en trouve, beaucoup, mais pas forcément dans ces états-là. Voilà. Alors la M3, ça a démarré, il me semble, dans les années 80, par là, alors, avec la E30. C'est ça, avec la E30, en effet. Ensuite, il y a eu à partir de 98, ils ont sorti le E46. Voilà, il y a eu la première version, donc comme la mienne. Ensuite, il y a eu la version 2 à partir de 2003. Et puis voilà, après, ils ont évolué donc sur la E92 et tous les nouveaux modèles qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais voilà, moi, c'était vraiment la E46 qui me plaisait. Voilà. Alors, l'avantage aussi de ce modèle, c'est que ça reste un modèle particulièrement apprécié parce que c'est une des dernières M3 à être équipée du 6 cylindres atmosphérique. Alors, c'est ça, c'est un 6 cylindres avec le système Vanos, donc un décalage donc de l'arbre à cames. Et puis voilà, c'est criard, c'est jouissif, tout simplement. Voilà, j'ai mis un petit échappement en inox, donc... Ça chante bien. Ça chante bien, voilà, en effet, ouais. Voilà. Alors quand tu l'as eu, elle n'était pas tout à fait comme ça, tu as fait pas mal de travaux pour remettre... En effet, j'ai eu des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Hein, comme toutes les M3, en règle générale, le 46, j'ai eu le déchirement du train arrière. Donc j'ai fait moi-même, je suis mécano et je touche aussi en carrosserie, donc j'ai déposé tout le train arrière. J'ai acheté les kits pour le renforcement de la carrosserie. J'ai tout fait à la maison, j'ai refait mon pont, voilà, j'ai fait les biellettes, j'ai fait les coussinets de bielle, le vanos, ce qui est leur maladie aussi, et puis les jantes, et puis les amortisseurs, j'ai mis du Bichstein B6 dessus et j'ai remis des ressorts d'origine. Voilà, je voulais garder la hauteur d'origine parce que c'est déjà suffisamment raide comme ça, donc je voulais pas en avoir trop. Voilà. En parlant d'origine, c'est également sa peinture d'origine. Également, ouais. Oui, c'est ce qui m'a plu sur cette voiture, c'est qu'elle n'a jamais été repeinte. Donc c'est ce qui en fait sa rareté. Je l'ai même moi abîmée, mais j'ai dit je ne vais pas la repeindre. Donc voilà, je l'ai fait expertiser auprès d'un cabinet spécialisé. Et même eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit elle est rare parce que intouchée. Voilà. Alors c'est quand même fou parce qu'elle est, mine de rien, elle est quand même en super état cette peinture. Ah, on oui. dirait presque qu'elle sort d'usine. C'est vrai, alors c'est vrai, mais à côté de ça, je l'ai illustré à plusieurs reprises. Elle est également, j'ai fait un traitement céramique dessus. Donc j'ai la facilité tout simplement de que ça soit mon métier. Et voilà, je m'en prive pas, je la bichonne. Voilà. D'accord, et également cet intérieur qui est blanc. Ah, c'est très atypique, un intérieur blanc, alors c'est pas d'origine. Quand je l'ai acheté, elle était équipée comme ça et ça a été fait chez un sellier. Donc l'intégralité des sièges, des garnitures de portes, tout est fait en blanc, mais en véritable cuir et bien, bien conservé pour ses 20 ans. Eh bien ça alors, c'est fou. Voilà, même la partie moteur, voilà, c'est quand on ouvre et qu'on regarde, c'est... Et voilà, c'est admirable, je peux pas dire, je suis amoureux de ma voiture. C'est ça. Voilà. Mais écoute, on va en faire le tour et puis tu vas en faire un tour après? Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Bah allez, c'est parti. Thank you.
juste voiture, comme sur beaucoup de voitures, comme beaucoup de 46 en M3. On a donc la touche sport. D'accord. La touche sport, le sport en fait, ça modifie très légèrement la cartographie, surtout en fait ça joue sur l'ouverture des papillons. D'accord, donc ça va jouer à l'accélération principalement. Voilà, en fait, c'est, mais en fait tu vas voir quand on va accélérer, à partir du moment où j'appuie dessus, on va vite comprendre que les papillons se sont ouverts un peu plus. D'accord. Donc là, je regarde bien, sans rien toucher. Hein. Ouais. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment... Plus réactif. Ouais, ouais. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, ça va bien. C'est ce que je dis. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est... En fait, c'est vraiment l'agrément de conduite et le plaisir de ce moteur. Ouais. Voilà, le bruit de ce moteur, c'est phénoménal. C'est 6 cylindres, ça ronronne bien. Ah. C'est... Donc là, donc je peux très bien rouler, bon, entre guillemets, au couple. Hein. J'ai une boîte 6 vitesses, hein, donc, et ça ronronne. Donc là, je suis en... Je me mets en sixième, sans le petit bruit qui va bien. Ouais, ouais. Bon, après, petit voilà. Après, alors, l'idéal, c'est rester sur les 4000 tours pour avoir vraiment la bonne proportion, en fait. Hein. En dessous des 4000, ça reste un petit peu creux, peut-être. C'est un peu creux. Ouais. On a les chevaux vraiment à 4000. Dès que le Vanos, en fait, commence à faire son effet. Après, c'est vrai que c'est un moteur atmosphérique, donc ça se joue principalement dans les tours. C'est ça. Et du coup, boîte 6 manuelle, c'est aussi existé en boîte séquentielle. Alors c'était, oui bien sûr, ça a été la boîte en boîte automatique avec palette. Hein. Ouais. Alors j'ai choisi la boîte mécanique parce qu'on a entendu tellement de défauts sur cette boîte automatique avec leur gestion que j'ai préféré la boîte automatique, la boîte manuelle. Ouais. Et j'ai changé l'embrayage aussi dessus. D'accord. J'ai mis un embrayage renforcé. De partir sur quelque chose de sûr. Ouais, ouais, au moins. Donc là, par exemple, je suis à 3000 tours. Ah oui. Donc là, on a bien senti l'effet. Et on a l'impression que ça accélère, mais que ça s'arrête pas d'accélérer. C'est, voilà, c'est ce qui vraiment est plaisant. Du coup, c'est un moteur qui prend combien de tours, ça, à peu près ? 8500 tours. Ah, c'est pas mal quand même. C'est... Ah oui, c'est... Pour une grosse cylindrée, oui, c'est bien. Ouais. Ça marche très bien. Oui, oui. Ça va bien. C'est... Après, elle est équipée du régulateur de vitesse, donc c'est vrai que... Ouais. Quand on est avec la famille, on prend les enfants, voilà, on fait attention. Mais des fois, on se laisse vite prendre au jeu. Hein. Je comprends. Ouais. Voilà. Mais j'ai mes 12 points. Ah, voilà. Très bien. Après, c'est pas la vitesse qui fait le jeu, c'est vraiment l'accélération. Voilà. C'est ça. Oui, parce qu'après qu'on roule à 80 ou à... Là on est à 100. En ligne droite, voilà, c'est pareil, quoi. Là on est à 100. Bon là je descends à 80. Mais après voilà le... Ouais, je pourrais prendre l'autoroute et rouler à 270. Hein. Ça m'est arrivé de le faire. Hein. À 5h du matin, je voulais la tester. Voilà, mais c'est pas l'objectif, c'est un cabriolet. Ça travaille beaucoup. Ouais. Donc l'objectif c'est chevaux au vent avec des chevaux. Voilà. Et du coup, du fait que justement ce soit un cabriolet, on pourrait avoir tendance à croire que ça perd un petit peu en rigidité. Ça perd. Est-ce qu'avec les amortisseurs Bilstein que tu as installés, tu as récupéré un petit peu, tu as corrigé le défaut ? Alors, j'ai pas corrigé le défaut parce que sur la partie liaison au sol, il n'y a pas de souci, j'ai une très bonne liaison. Ouais. C'est un rail, c'est vraiment un kart. Mais par contre, tout ce qui est partie supérieure, donc... quand je mets la capote, la voiture est quand même relativement raide. Mais comme j'ai pas de liaison mécanique, bon bah, comme beaucoup de cabriolets, ça travaille, voilà, ça travaille beaucoup. On entend grincer un peu partout. Ouais. Après, c'est quelque chose qu'il faut, j'ai envie de dire qu'il faut accepter. Hein. C'est un cabriolet. C'est un cabriolet qui a 20 ans. C'est ça. Voilà.
Voilà, on va prendre la voie rapide, on va accélérer. Tu veux que je monte les fenêtres? Il y aura peut-être un peu moins de bruit. Ouais, ce sera mieux. Voilà, on va la faire jouer un peu. Ouais, ça part bien, hein. Voilà, on est à 170, hein. Et je suis qu'en quatrième. Ah, après, c'est super joueur, mais il faut faire attention. C'est ça. Voilà. À ne pas mettre entre toutes les mains. Ah, non, c'est sûr. Mon fils qui a 20 ans, il l'a pris quelques fois. Ouais. Mais avec moi à côté. Même lui, dernière fois, je lui ai dit, tu veux essayer? Il me dit, non, je peux faire pas. Quand tu es à côté, il n'y a pas de souci, mais pas là. Trop tentant sinon. Voilà. C'est quelque chose. Hein. Voilà, c'est pareil, je laisse toutes les sécurités parce que si je désactive l'anti-patinage, ça sert vite. Ouais. Donc là, ça la régule. Hein, ça, dès que quand j'ai accéléré, ça réduit un peu la montée dans les tours, mais si je désactive, faut maîtriser. Faut avoir un peu de maîtrise. Ouais. Bon, à côté de ça, on sent pas la vitesse. Non, c'est vrai que. C'est vrai, on monte vite à des vitesses, on va dire, déraisonnables sans forcément s'en rendre compte. Et puis bon, là, du coup, on entend quand même bien aussi l'échappement. Ouais, carrément. Parce que bon, c'est pas un échappement d'origine. J'ai mis un silencieux Scorpion. Ouais. Bon, j'ai gardé les catalysés. J'ai gardé les coupe-flammes parce que faut que ça reste agréable. Et si j'enlève les coupe-flammes, le problème, c'est que ça pétarde. Bruyant. Ouais. T'as mis juste ce qu'il fallait en fait. Pour moi. Voilà. Un son sympathique sans être trop criard, trop fatigant. Voilà, c'est ça. Et... Bon, après, ça reste de l'inox, donc voilà, ça fait vraiment le son, un son aigu. Voilà. Ouais. Et tu as déjà pensé à changer celle-là pour passer sur une version peut-être plus moderne ou... Oui, mais ma femme ne veut pas. Ah. Est-ce qu'elle a raison de ne pas vouloir? Je pense qu'elle a raison. D'accord. Je pense qu'elle a raison. Aujourd'hui, les M3E46 sont ce qu'on appelle une côte en poupe. Hein. Ouais. Elles commencent à être de plus en plus rares. Dans cet état-là, elles sont de plus en plus rares. En cabriolet, encore plus. Il faut savoir qu'en cabriolet, elles sont sorties uniquement à 12 000 exemplaires. D'accord. Voilà. 12 000 donc, sur les, je crois que c'était 85 000 à peu près. C'est ça, donc au final, entre les moteurs cassés, les accidentés et tout ce qui suit, il n'y en reste plus, même sur la France, je pense qu'il n'y en reste plus beaucoup. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, une E46 dans un état d'origine, ça devient compliqué à trouver. Hein. C'est ça. C'est... Je pense même parce que sur le Vaucluse, je suis la seule. Ouais. Parce que via les réseaux Facebook et compagnie, j'ai beau chercher à trouver... des collègues qui ont la même voiture que moi, il n'y en a pas. En cabriolet, il n'y en a pas. Ouais. Voilà. C'est sûr. C'est vrai que partout où je vais, les gens me font tous le doigt comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Alors déjà, la M3, c'est beau, mais la M3 cabriolet... Voilà, après, tout le monde pense que c'est super gourmand. Ouais, alors moi, très honnêtement, je suis au tableau de bord. Voilà, consommation moyenne 13 litres. Ouais, ça reste raisonnable. C'est correct. Ouais, je roule pas comme un papy, hein. Attention, ce week-end j'ai fait le Ventoux, on s'est un petit peu amusé, j'étais avec mon fils. Bon, ça monte vite à en consommation de moyenne, je monte vite à 17 litres. Mais à 17 litres, c'est que je mets les watts. Voilà, vraiment les watts. Là, c'est une consommation moyenne en roulant normalement et en tirant quand même aussi un petit peu les rapports. Faisant plaisir de temps en temps. Voilà, 13 litres, je pense que c'est très raisonnable. Ouais. Bon, c'est un 3 litres de cylindrée, hein, donc... C'est vrai,
c'est... Faut pas l'oublier. C'est pas un petit moteur, 6 cylindres. Ouais. Forcément, faut l'alimenter. Voilà, j'ai mis un petit peu de son aussi. Ouais. Voilà, j'ai mis... Tu veux que je te fasse écouter ? Allez. Ah ouais. Voilà. On sent les basses. En fait... La jambe. Alors, j'ai vidé les portes complètes. Ouais. J'ai deux boomers, deux médiums et deux tweeters. Donc, d'accord, Simplifié avec un ampli à l'arrière. Ouais. Plus un caisson focal amplifié directement, avec l'ampli directement dessus. Alors, je voulais pas trop en avoir. Ouais. Je voulais en avoir juste ce qu'il fallait, histoire de dire de m'amuser. Voilà. Et du coup, le son que tu préfères, du coup, c'est celui qui sort de l'autoradio, non, ou des échappements ? C'est celui-là, le son. Le meilleur son, c'est celui-là. Voilà, honnêtement, souvent je roule, ouais, je mets même pas la musique et voilà, juste le son de ce moteur me suffit. Le 6 cylindres, voilà, suffit pour avoir une belle symphonie. Voilà, il n'y a pas meilleur. C'est sûr. C'est sûr que il n'y a pas mieux. Non. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. Johnny, un grand merci à toi d'avoir participé, ça fait très plaisir. Ben, merci à toi, hein. C'était un réel moment de plaisir, hein. Et puis de tomber sur des gens passionnés comme toi, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas, hein. Planète voilà. Piston. En tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir ta voiture. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce petit reportage. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.